Allez, deuxième défi remporté par Omera. On passe au troisième défi qui va l'opposer à ce boxeur, le boxeur qui monte, le boxeur du moment, à savoir Maeda Tyson, qui va jouer donc boxeur là avec le costume alternatif orange et qui va donc s'affronter Omera Daigo. Quasiment grand maître hein, ce boxeur là. C'est vraiment le boxeur à suivre. Voilà son gros point. Ex Dash Upper Balight. Il a voulu faire un décalage chop qui n'est pas passé. Hadoken dans la saving. Bien joué. Le gros pied qui touche. Pour le moment, Maeda qui est en avance, il prend bas médium à Hadoken. Le dash trait qui touche Umera. Umera en difficulté dans le coin. Dash trait qui fait double touche sur Hadoken. Ça, c'est à l'avantage de Maeda. Bas médium à Hadoken, Hadoken. Et oui, Daigo qui applique le versus à la lettre. Turnaround punch qui ne passera pas le Hadoken. Gros pied, ça c'est des coups de zoning hein, très importants. Et là, le turnaround punch qui passe. Très bien joué. Premier round remporté par Maeda Tyson. Magnifique boxeur hein. On voit comment il gère Daigo. On voit aussi très bien comment Daigo essaye de gérer les boxeurs. Il connaît bien les bons boxeurs. Les bons boxeurs. Oh oui, bien joué. Ah, ça passe pas, incroyable, ça passe pas. Et oui, boxeur qui retombe vraiment très vite de son saut. Bah, gros point entier. Bah, médium Hadoken pour punir le ex Dash Hopper. Allez, Dash Hopper pour punir le saut. Saut gros point qui passe. Bah, médium push, bah, médium kick Hadoken. Le gros pied, encore une nouvelle fois le coup de Zoni. Encore un Dash Hopper pour punir le saut gros pied de boxeur et Hadoken. Daigo qui remporte donc le deuxième round de façon assez confus. Où il y a eu pas mal de d'étrangeté, la super qui passe pas, commence par un bas médium punch qui passe dans la garde et ensuite le bas médium qui touche, enfin, des trucs très étranges. Allez, dash très bien puni par Omera Daigo, attention à la pression évidemment, la chope à la relevée, le Daisho qui punit très bien la tentative d'attaque de boxeur, bah gros pied, c'est le coup de zoning, bien joué la super. Oh, il est magnifique celle-là, la super très très bien utilisée par Maeda Tyson qui passe au travers du Hadoken. Et oui, Ryu qui se retrouve maintenant comme un con dans le coin là, ça va être difficile de s'en sortir si Maeda Tyson ne la relâche pas, la pression c'est quasiment impossible pour Omera. Et Omera qui réussit quand même à repousser son adversaire malgré la position défavorable. Satsumaki qui joue cross up et Shiku Hadoken. Oh, Shiku Hadoken qui fait pas max de juggle. Tatsuki touche quand même cross up, ce gros pied, décalage chop bien déchopé de la part de Maeda Tyson. Bah, Maeda Hadoken, attention, le dash avance, ça aurait pu se transformer en sop là. Daigo qui a préféré envoyer un balai kick. Bah, Maeda Hadoken, le dash track qui passe pas. Ouh, il est pas passé loin celui-là. Balai punch ultra, l'ultra, boum, et ça passe très très bien joué. Maeda Tyson qui remporte le premier match face à Umera Daigo en lui faisant deux fois la même, une fois la super, une fois l'ultra. Umera qui a pris cher, son jeu de Hadoken est grillé, totalement grillé face à Maeda Tyson qui remporte donc le premier match face à Umera. Allez, deuxième match, on va voir si Umera va pouvoir se ressaisir. Mais quand je vous l'avais dit que ce boxeur est tout simplement magnifique, je vous avais pas menti. Turnaround punch qui passe dans la gare et Daigo qui repousse son adversaire. Bah, medium punch, bah, medium punch, balayette. Faut pas laisser les occasions comme ça à Umera qui passe un Daishoryu dans le vent. Malheureusement, pas trop ce que c'est. Oh, ça a un peu pipé ce Shoryu à la relevée là. Umera, je sais que c'est à des carottes dans tous les sens. Voilà, soleil kick, balay punch, soleil punch, balayette. Ouais, normal. Balay punch, balay kick, headbutt. Il préfère ne pas confirmer avec ultra. Ça, c'est la marque des boxeurs intelligents. Le Nige Tatsumaki pour prendre de la distance. Allez, on zone au Hadoken là, bas medium kick Hadoken. Attention à pas se reprendre la même hein. À pas se reprendre la grosse ultra dans le Hadoken, le bas gros pied qui touche. La chope à la relevée, c'est déchopé pour boxeur. Hadoken, il ne réussit pas à éviter. Saving dash avant, on sent bien que la pression est surtout mise par boxeur là. Décalage chop, bien arrêté par Omera. Le Solar Plexus qui se fait arrêter, décalage chop encore une nouvelle fois arrêté par Omera qui prend le dash trait. Solar Plexus dans la garde, la chope qui passe pas. Bas gros pied dans la garde et le ex dash trait qui permet à Maeda Tyson de remporter le premier round. Et ben pour le moment, Umera trouve pas la solution face à ce boxeur. Il est face à une impasse. Bah, gros pied encore une nouvelle fois qui touche. Gros pied nouvelle fois. Ça fait très mal ça au pauvre Ryu. Voilà, Daigo qui met sa super dans la garde. Daigo, on le sent déstabilisé. Le Tatsu cross-up qui passe. Ce gros point dans le vent. Hadoken dans la garde. On le sent à court d'idées là, Daigo. Le Daishoryu pour punir le saut. Ça, c'est évidemment. Faut pas laisser des occasions comme ça à Daigo de te refaire les fesses parce que ça sort plus vite que la lumière. Ex-Dash Hopper, confirme au light. Ex-Dash Hopper, confirme au light. Décalage chop. Bien vu par Daigo le décalage chop. Daishoryu pour punir le saut. Le saut qui touche pas cross-up. Les distances de cross-up ratées. Bien joué, magnifique. Boum, le full DTC ultra à l'intérieur du Tatsu cross-up de Umera Daigo. Sort
sorti au pile poil timing de cul. Pile poil au bon moment, incroyable, Maeda Tyson qui remporte le deuxième match face à Umeara Daigo. Pour le moment, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il est sur une, dans une spirale totalement positive. Ça semble difficile pour Umeara qui trouve pas les solutions tout simplement. Daishiro pour punir le saut. À chaque fois que Tyson a fait une attaque sautée comme ça pour attaquer Daigo de front, il a pris un Daishoryu quasiment, c'est quasi immédiat, il y a un bouton Daishoryu sur le stick à Daigo, Turnaround Punch qui passe autour du Hadoken, et là encore Daigo en difficulté qui prend le bas gros point, balayette, le zoning qui est parfait, la parfaite zoning de Maeda Tyson qui fait des zonings hauts, et ça c'est très déstabilisant, on l'a déjà vu lors de la finale de l'Evo 2009 face à Justin Wong, on a vu que le standing zoning, c'est-à-dire le zoning en se tenant droit et non pas baissé avec Boxer, ce qui donc annule les charges basses, déstabilise énormément Daigo qui oublie parfois de se protéger en bas, voyez, et se prend ses bas high kicks. Le dash trait cancel, il a préféré le canceller même si le dash trait touche. Et là il est encore en avance à l'énergie, Maeda Tyson. Il fait un magnifique match et voilà, ça c'est reparti, boum! L'ultra qui passe au travers du Hadoken. Ça c'est bien fait, jamais tu fais ça, jamais. C'était valable dans 2X, c'est toujours valable dans Street Fighter 4. Ça c'est des grosses erreurs, monsieur Daigo. Des très grosses erreurs. Soit disant que personne n'est capable d'avoir des réflexes aussi surhumains. Il n'y a pas que toi, monsieur Daigo, qui voit la frame. Il y a aussi des tas de joueurs talentueux qui sont capables de rendre coup pour coup. Bien joué, le Hadoken cancel. Ouh, c'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? J'ai rien compris. Apparemment, il a raté son confirm après son Hadoken dash cancel. Et c'est passé dans la garde. Et du coup, on a eu le droit à une scène un peu bizarre. Saut gros pied, bas médium, bas gros point et deux bas médium là qui touchent. Umeara qui remporte quand même ce round après un truc un peu zarbe là qui s'est passé sur mon écran. Allez, c'est le premier round que Daigo remporte, mais c'est presque ça. Non, ça doit pas être le premier round, ça doit probablement être le deuxième. Bas medium punch. Ah, ça y est, il commence à trouver les failles. Bien joué le Tatsumaki qui touche cross-up dans le ex dash hopper. Stand-Lay Punch, balayette, le 5 hit combo, combien de fois il nous l'a fait stun. La saving, boom, Solar Plexus, Balay Punch, ex Tatsumaki, Shakunet. Voilà, Daigo qui laisse plus de répit, c'est terminé. Perfect, mon petit ami, Maeda Tyson ou pas Maeda Tyson. Je suis quand même Umeara Daigo, je vais pas me faire emmerder par un boxeur qui est même pas encore grand maître. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là?